Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de Kombo. Dans il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bon nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et qu'ont na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Nous allons en parler au cours de cette émission. Gouvernement Ezali Koya, Nini Penza, population Ezali Koloba, Tope Ezali Kozela, Tolobela Congo, Natongo Alelo, Nalobo Konanga, et moi, si tu Ezali Bongo Nandeko Diego, Kaiba, Ezali Bongo, Moko Abapandisa, Mboka Nabiso, Mboka Mbote Pibwewa. Bala ninyo soya Congo BSV plus précisément ya émission pona Congo nazali na sengo mingi pona ngai mbala liboso me na biki koza mbala sukate pona ko leka na émission na ye bongo ko répondre na invitation parce que na biki awa ba imboka ba kabola ka makanisi e koza bongo pe sengo pona ngai ko kabola makanisi tozali nango pona butambu simboka. Et c'est une belle manière pour nous de contribuer pour l'avancement de Mboka. Très voilà. Bien, merci beaucoup. Ndeko, fierté d'Ingangaza, beaucoup d'Angaya Mobali, moi, Mboka,
mbote pe boye bolam mbote mama Naomi na tondio botondi pona invitation yi au pesi biso toza ba umbu ya peuple toyaka pona kosola na baye ba ulanda biso pe ko analyser makambo etali mbona ya mboka na biso na pesi mbote na mona mboka wazali boso na ngai pe na ba telespectateur ba ulanda biso. Merci. Très bien, merci beaucoup. La question ya monene lelo ezali autour ya formation ya gouvernement pe ndeko je dit ndenga koti mwana mboka Diego na robanda nayo nomination historique pour na baike nomination florite pour na basusu batalisi que ezali nango pour na kumakiye est ezali ki opportun na contexte tozo nango tozo a maman souminya lokola moto ya kokamba bongo gouvernement na ba onje otozali ko traverser notamment comme état les kimia makanisi nayo to lecture na ezali. Merci beaucoup maman Naomi. Est-ce que et singe no roninga mingi na rappelo foye ba ke congolais ali un éternel insatisfait au moins tant aujourd'hui Jésus-Christ to tient à la tête du gouvernement ou à la tête du pays on a toujours insatisfait congolais na ndima mutute akotika rapé ko ndima mutute congolais ti akokufa ko za éternel insatisfait. Si je veux dire quoi par là, nonobstant ma compétence rose à la nango dans un domaine quelconque parce que mutazaka omnipotent za la raté pas aux critiquer on souvent essayer à combattre bureau ce que tu allais à recommander comme son monde à aux anaba faillite et belé. Moi je trouve que c'est opportun. Pourquoi? On doit aussi donner la femme, on doit aussi donner la chance à la femme. On a essayé avec les hommes, ça marche toujours. On doit aussi donner la chance à la femme. Moi si azali pe na capacité ya kutonga mboka ya ko faire avancer mboka, pourquoi pas essayer avec la femme. Maman Judith Soumine ce qu'azali bongo na ministère ya plan. Na moni bongo amekai ko se battre pas mal ko s'en sortir na maimatali programme ya 145 territoires na maimatali. Mais le résultat? Bon, dans un laps de temps, sali wana na moni quand même à s'en sortir bien. Na moni na quelques réalisations na ye ce qu'il faut reconnaître na on a sans soi. Quelques réalisations, il ali bongo ko mettre en exécution le programme PDLT 145. Na moni bongo mise en application na ngoi salemi na lolenge sengeli parce que batumsu ya kiso opesi e bongo matamsu ba catastrophe ça les malheurs matamsu ba détournement donc il m'a détournement na kati wana te donc déjà ça va parce que c'est l'élément le plus dangereux ya ngoi tous avec de crier ces derniers temps et ça les m'a ba détournement mais na secteur wana ska zali na moi m'a ba détournement et ça les mi vraiment te ya ngoi na zali d'abord ko encourager deuxièmement na moni bongo ba hôpitaux ba école et singeli ou singela ki tonga na moni quand même et tonga mi aussi voilà pourquoi j'ai dit à s'en sortir quand même, à arriver quand même à répondre positivement à la volonté du chef de l'État ou à la volonté de la population, la mission va confier à qui est. Deuxièmement, je voudrais dire que non, tout est une chance. Je trouve que c'est une femme intelligente, compétente. Na mon écoute, une Christian Mondo, si ma lobby a eu ma compétence, elle croit en elle, peut-être environnement, n'y a lobby, on a certes, là où deux, trois personnes basali, comportement sera toujours différent. Environnement peut-être est cause à la moins différent. Mais na yebi que na makasi ya maman na zali na une intelligence azali na ngo akwarive ko s'en sortir parce que ba défi azali ko zela ezali mingi. Ya ngo na kulinga na rappeler maman Jili Soumino. Basi bolinga mingi égalité parité, ya ngo ba pécho charge ko kama mboka parce que nous azali ko kama mboka au quotidien. Tata mo konzi ekolo azali gara un bon fonctionnement des institutions, mais azali ko kama mboka au quotidien. Maman certes tu vas appuyer les institutions, mais tu vas moins dur envers eux parce que faut le faire mieux. Tu vas causer le résultat moins positif et non le résultat moins mitigé de votre part. Tu vas causer là où ça l'a dit concret et non encore au cannabis ou naba tâtonnement ou naba essai clinique, mais tu vas causer la dit concret de sa part. Voilà pourquoi nous avons rappelé na maman Judith que tu vas la moins rigueur vis-à-vis na yo. Et puis tout le monde a toujours interpellé pour ça la mieux parce que tout est la mingi de votre part. Et le roi maman de Azali et Sikawana parce que c'est tout le monde qui en parle, c'est pour la première fois. Bon, biso peut être ça qui m'attend de mingi na tata mo kamekolo. Le Kambeza maman de Azalawana, tout le Kambeza moto ya Sengeli de Azalawana pour un contexte où tout ça n'a rien crise. Nga na trouvé Azali moto à Sengeli parce qu'il a une compétence. N'a trouvé que moto Azali moto à Sengeli parce que n'a trouvé, je trouve en elle la volonté de réaliser la vision du chef de l'État et puis de comprendre le vouloir du peuple congolais et les lier. Voilà pourquoi on a dit que non, Azali Moto est Singeli. Mais on a rappelé quand même que non, maman, Azali Moto est Singeli. Mais surtout, tu crois que bon, Azali Pe Moto. Peut-être que tu es Limba. Mais il faut tout interpeller comme moi, de temps à autre, pour nous, au salaire, mieux que Bato,
outre kokuta wana to o a précédent qui yo tozali ko zela la résultat mien qui peut-être ya samo lukonde peut-être ya ilunga ilungamba et tant d'autres yango tozali ko loba azali moto a sengeli na ki moto e sengeli na yewana à celle qui sont mieux, à proposer qui sont mieux. Vous allez causer la mieux de la part ya maman Gilette. Très bien, merci beaucoup Ndeko Nathanaël. Mon coeur Balisanga, il y a piste pour l'émergence, porte-parole. Moi, dans mon camp, beauté, puis boyer bola. Beauté, maman Naomi Pila, la petite beauté, na ba, côté bataille, na gagnant ça, la petite beauté, na peuple congolais, bah basolanda biso de part et d'autre, na assure été. Et Michel, vous allez tourner autour des arguments centrés sur la République et non sur les individus. Bonne opposition. Ouais, opposition, ils a tellement bien parce que l'opposition n'est pas un groupe de gens, mais l'opposition, c'est le peuple congolais qui attend de voir le changement vis-à-vis de sa vie quotidienne. Donc le pouvoir a pour opposition le peuple. On est les mots à opposition. Est-ce que ça a pour nous relaxer la télévision que non, dictature et ça a se victimiser. Opposition à moi, je n'ai pas besoin de me victimiser. On s'est victimisé pour Annie. Je suis pas un faible qui voudrait en sorte qu'on ait la compassion de lui. Non, non. Nous, nous sommes ceux-là qui se sont engagés pleinement conscients dans cette lutte. Donc, je pense que il faut pas toujours condamner les gens de la force du progrès. Hein. Moi, je suis un peu très objectif. Je condamnerais plutôt les ministres de l'Intérieur, voire même la police nationale. Parce qu'il y a les bandits, des voyous qui, ces derniers temps, s'est présenté le quoi à force du progrès parce qu'ils savent qu'on va pas les retoucher. Or, normalement, je crois que la force du progrès est une structure politique qu'il faudrait travailler en collaboration avec le ministre de l'Intérieur pour dénoncer tout ça. Parce que c'est eux qui portent le chapeau. Et nous, nous allons dire, quand on t'agresse et se présente comme ça, on va dire que c'est eux. Mais moi, je pense que c'est l'Intérieur, la police nationale, pour la sécurité, mais pour la sécurité, ça va nous faire. Ok. J'espère que lundi, sortie médiatique, il y a Tata Cardinal, Nao et Talibongo, nomination à Premier ministre. Tata Cardinal, à l'oubli qu'il y a non événement, parce que c'est loyer est commis en retard par rapport à Bambo Kamouzoussounda qui sont à Sénégal. Le même jour, Bazo, ça la prestation de serment. Le même jour, bah, nommé Premier ministre. Après deux jours, gouvernement est bimi, 20 personnes, je pense. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous partagez son avis tant au toi que système politique n'a biso? Et en dernier moment, on est au Sénégal. Bah, loi n'a biso, et en dernier moment, on est au Sénégal. Est-ce que vous partagez la vie n'aille? Topé, en gros, ignorance de la part de Tata Cardinal? Bon, je ne dirais pas que ça, ignorance de la part de Cardinal. Mais nous allons un peu très dureté. Pourquoi? Parce que normalement, toi, on a un système politique de mon côté. Là, vous avez raison. Mais nous n'avons pas aussi le même loi. Vous avez peine à raison. Parce que bon, on a un système présidentiel, si je ne me trompe pas. Il y a un mécanisme constitutionnel et c'est la majorité. Mais dans la sociologie de ces pouvoirs actuels, on pouvait faire ça. Pourquoi? Parce que le président, dès son élection, après la publication de son élection, après la publication des députés, il était déjà au courant qu'il a une majorité. Je vous donne un exemple. Comment le président peut-il nommer un informateur pour dégager une majorité, faire un rapport de 200 pages que lui-même, le président, ne va pas lire. C'est un rapport de 200 pages. Bon, c'est un rapport. Un rapport que lui-même ne va pas lire. Parce qu'il avait déjà Madame Judith en tête. Pourquoi? Parce que c'était déjà très prévisible. Dans la sociologie, sur le plan légal, le président ne peut pas le nommer directement. Mais pour les gens qui se sont souciés du pays, tant ou quoi qu'à lui, à Ebaki, déjà majorité. Mais pour pour respecter la loi, à nommer un formateur, oui, ça on comprend. Mobeko Lobin Boendeko, Nathanaël, pour nous rappeler, ceux qui, parti politique, Moko Naebi. Majorité était, c'est-à-dire que 250 plus 1, et Sengel tout nommé informateur, pas identifié majorité. Mais informateur, je veux vous dire une chose. Moutou Oyo Aza pressé. Moutou Oyo Aza na urgence, ba ndenge moroté. Vous comprenez? Ici, tout ça na kamoko bo, tout ça na cas d'urgence. Le pays va mal, le pays est bloqué. Les peuples sont en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président est élu. Il a Mbosso, il a Bahati.
il a Bemba, il a Samalouko, c'est eux qui constituent la majorité. Est-ce qu'il faut prendre un mois pendant que le président échange avec eux? Tant dans la vie sur le plan sociologique, non, sur le plan, sociologique, il peut s'asseoir avec eux. Papa, voici comment ça s'est passé. Et qui compose le présidium de l'Union sacrée. Voici comment ça se passe. 4 jours, 5 jours, on connaît déjà la majorité. Moussa Lobasalina, Nyango Yoki Alobi, a travaillé dans la majorité. Et puis, à la fin, vous venez nommer Madame Judith. Moi, je pense déjà que, dès le début, il n'y a aucun empressement pour le développement vis-à-vis de ces régimes. Ici, je serai très dur. Et puis, la nomination de Madame Judith est un non-événement. Moi, je l'affirme. Je l'ai dit, j'étais avec messieurs, mon co-débatteur en face. On s'est retrouvé dans un plateau et je lui ai dit, je pense que même les critères que j'avais énumérés parmi tant de ces critères, ça a été respecté. J'avais dit, il faut un premier ministre qui sera effacé, un premier ministre qui ne jouera pas la star, un premier ministre qui sera pas dur envers les régimes, envers la famille politique du président et la famille biologique du président. Et aujourd'hui, nous avons les profils qu'il faut. J'avais dit, Samalou Kone Dédé et nous en avons. Pourquoi ils ont un événement? Moi, je serais... Je ne suis pas pessimiste. Ni la question qui a causé la effacer. On a des discours d'opposition. La monnaie de Kouépengue pas combien on a des réseaux sociaux qui a Sama 2. Donc, toi, c'est la solution. Vous pensez que Sama a échoué? Parce que j'ai tant les gens disent Sama Lukonde a échoué. Vous dites Sama Lukonde a échoué, mais vous consolidez les acquis. C'est être malhonnête. Sama Lukonde a échoué, mais vous consolidez les acquis. Le président travaillait bien les premiers mandats, mais Sama Lukonde a échoué. Non! C'est Samalou Kone qui a conduit le gouvernement. Si le président a bien travaillé, c'est Samalou Kone a bien travaillé. Donc nous avons donc il a besoin d'un premier ministre comme Sama qui ne va pas revendiquer les attributs de la réussite de son mandat. Madame Judith, pareil, vous pensez un premier ministre nommé, moins de après 24 heures, premier déplacement, Naé, il part voir son CG du parti politique. Mais c'est un membre de lui de qui vous dit, ça, madame? Là, il est maintenant chef d'institution. Il est premier ministre. Il doit recevoir Kabuya dans son bureau. C'est pas lui de partir là-bas. Nion, s'il vous plaît. Partir voir la maman du président de la République. Ce sont des erreurs politiques. Quand on est premier ministre, on sait voir. C'est lui qui sait. Est-ce que vous pensez que madame Judith dira non à Kabuya? Vous voyez déjà. Pourquoi? Parce que Première de choses, référente, il faut rentrer vers la source. Non, non. Son autorité, c'est le président de la République. Il devait les recevoir dans son bureau. Tu peux faire bénéfice du doute. Non, non. Bandit, mon salaté. Non, non. Moi, je pense que, même quand les gens disent que c'est la première fois qu'on continue l'histoire, elle n'est pas entrée dans l'histoire. Elle entrera dans l'histoire quand elle fera bien les choses. Elle n'entre pas dans l'histoire par nomination. Ça ne me préoccupe pas. Elle n'entre pas dans l'histoire parce que c'est une femme. Non, elle entrera dans l'histoire parce que c'est une femme qui a bien travaillé au gouvernement. Et moi, je vous rassure, un régime dont le secrétaire général de ses partis politiques est le parrain direct du premier ministre, déjà. Deuxièmement, qui dénonce avec des aveux de chèque devant tous les militants que si nous ne marchons pas bien, c'est à cause de ça. Comprenez-moi, je reviendrai ici après 6 mois. Et je vous dirai que voici ce que je vous avais dit au début. Prophète de malheur, opposition. Opposition, plus aucun type opposition, c'est fiction. Opposition, c'est fiction. C'est-à-dire que n'a c'est pas l'idée de l'autre, c'est fiction normalement. Tous ont s'il te plaît, n'a qu'à tout mal au bâti. Tous ont la côté bas texte. Vous pensez qu'il faut revoir bas texte en abisso parce qu'en 2019, dans nos bandes à tous, qui 8 mois, presque une année, Kolukaka, Kosololaka, ambition, et puis comme ça, le peuple a tiré la qui pamba tout au coup tout au 4 mois, et reste à savoir ce gouvernement est bimakan. Bah, revoir bas texte pour la nine. Et l'autre, ils ont bloqué Mboka ou sa légitimité, madame. Et sa légitimité, quand on n'est pas légitime, on ne l'est pas. C'est la légitimité. Quand ils ont triché, on n'a pas oublié le simulacre électoral. On n'a pas oublié le braquage électoral. Tant que ils ont triché, ils sont pour quelque chose pour l'élection du président. Pour le moment, Bemba ne dénonce pas l'agression de l'Est. Il est préoccupé pour les partages du gâteau. Kamere ne dénonce pas. Bahati ne dénonce pas. Mbosso n'en parle pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, Bango Moutouna Moutazou Luka parle parce que tu ne participes pas à une fraude électorale. Si l'on respecte les textes de notre pays, tu n'as même pas 3 mois pour toi dans le gouvernement. Merci Ndeko Nathanael Matondo Mingi. Moi, je suis fierté d'Inanga Malouamboka. Vous êtes de l'UDPS, nomination à Madame Soumouina.
ça fait débat, ça va dans tous les sens. Basus Balobi, Azaï de Peste, ma fête, Bimi de nulle part, Basus Balobi, Tata Mokameko a réussi à concrétiser la promesse de la Namoko et Azaï de Peste. Donc la première ministre, est-ce que elle est de l'île de Pes, est-ce que vous la connaissez, Oza, moi, ma canisse surier, mais est-ce que c'est la bonne personne, Nangonga Oyo, dans le contexte Oyo Toza Nango, pour Nambuka Nabiso? Merci beaucoup, Maman Naomi, pour na Motuna Nayo. Merci, na Pesimbote, na co-débatteur, Nangaï en face. Le roi la bosse, les combos, Nangaï, de confiance. On va avancer comme ça. Donc, je suis très content, la pertinence, y a Motuna Nayo, mais je crois que. Moi, quand je parle, ça choque un tout petit peu. Les gens doivent me supporter comme tel. Je suis de l'île de Pes. Il y a qu'on discutait dans mon tout. J'ai grandi à l'île de Pes. Naïebi qui est venu après moi dans l'île de Pes. Naïebi qui est dans l'île de Pes. Donc, mon tout qu'on intimidé. Bisso, Nicolas, l'île de Pes. Nous avons souffert pour ça. Tout bon ici, Bandeko, maman, tout. On en parle avec des larmes dans la voix. Quand même qu'il y a. Un bon bout de temps, il y a comme s'en approprié, comme si des pèses s'est commis, il y a bango. Maintenant, rappelez à bango qu'il y a des pèses, il y a 13 parlementaires. Voilà, ça veut dire que, batouana, babana, bango, balité, pour bayako, c'est prévaloir de l'appartenance de lui, des pèses ou de l'appropriation de ces grands partis. Donc, ce qui des pèses, il y a un papa Étienne Tshisekedi, batouana, bazaki, belé. Mais nous, nous sommes délignés de papa Étienne Tshisekedi. Je commence par dire que, Madame la Première Ministre, certes, je salue, mais elle n'est pas de l'île de Pes. Ça, pardon? Je dis Madame la Première Ministre. Je salue sa nomination, mais je dis qu'elle n'est pas de l'île de Pes. C'est, elle est de l'île de Pes par cooptation, par circonstance et pour des réalités des officines politiciennes. Mais comment déjà vous identifiez qui est de l'île de Pes, qui ne l'est pas, tant que vous n'avez même pas la carte de membre? Non, non, non. Je vais... Ce qui est carte de membre à l'île de Pes, c'est Zaté Mikolo. C'est pour la gestion du secrétaire général actuel, parce que je pense qu'il y a eu des fonds, il y a eu des choses qui ont été mises en place pour Batouana, Bazanaba, carte de membre. Donc je ne vais pas faire l'apologie des personnes sur ce plateau. Tant qu'il y a la matière ou soulever, c'est important, accorde-moi le temps. Ce qui est carte des athées, ça c'est un problème, il y a gestion, il y a secrétaire général. La dame n'est pas de l'île de Pes, ça c'est de un. De deux, les officines politiciennes ont fait qu'elle arrive là où elle est. Mais regarde là où je suis lésé d'entrée des jeux dans cette émission. Mon co-débatteur en face, Abandi émission, Namatumboli, Salinga Bienté. À lobby, les Congolais sont les éternels insatisfaits. Je commence par... Mon co-débatteur va m'y parler. Non, Diego. À l'Obi, les Congolais sont des éternels insatisfaits. Mm-hmm. Oui, j'approuve. Les Congolais sont des éternels insatisfaits. Ils les seront si le leadership n'arrange pas des choses. Les Congolais seront insatisfaits. Pourquoi? Un pays qui n'a jamais des politiques fixes pour le devenir de la République. Batouba Rosala Kaka insatisfait. Moutoutan Arola Moukanaton, Aliete, Azana Moussalate, Azaboete, insatisfaction et Korenye Kaka. Quand les Congolais proposent des choses que la machine qui dirige ne prend pas en compte, les Congolais Barozala Kaka insatisfait. Deuxième point, mon co-débatteur dit qu'il faut donner la chance à Madame la Première ministre. Non, non, non. On ne peut pas donner la chance à quelqu'un qui n'a pas prouvé à suffisance qu'elle peut répondre aux besoins, aux désidérata du dictat du moment et de l'environnement. Le Congo a beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas un Congo qui va donner la chance parce que quelqu'un est une femme. Nous avons besoin d'un Congo, de personnes compétentes et capables de relever les défis. Mais côté la cursus naïe, côté le parcours professionnel naïe, on s'est dit qu'elle est compétente pour gérer... Non, mais écoutez, les diplômes universitaires que l'on a au premier, deuxième et troisième degré ne sont qu'une prétention du savoir. Ce n'est pas les diplômes qui prouvent à suffisance que les personnes sont compétentes. Si Kawa, nous peut, alors que nous sommes en train de nous faire. D'abord, tant que tu as un plan, tu as un plan qui est en train de se faire dans l'officine, il y a un FDC. Tu as un plan politique. Et donc, maman,
place à Zagina plan, moi je n'ai pas vu le résultat qui ont prouvé que c'était quelqu'un engagé, elle était effacée. Et tant que on a vu ça Zolo Balikambo, il y a un projet à 145 territoires. La science, elle est là, elle est têtue. Créateur, il y a projet Wana. Na mon pesi combo, il y a projet Wana. Batubalo Belagaete, c'est le vieux boss de l'Assemblée nationale. Mon tout appelle projet, il y a 145 territoires. Vérifiez ce que je vous dis. Ce nom-là, cette idée-là, vient du président Mbosso de l'Assemblée nationale. Je ferme cette parenthèse. Alors, la nomination de Madame la Première ministre, c'est une nomination, pour moi, épidermique, qui n'a pas son pesant d'or pour ce moment. Ça veut dire que le président de la République a répondu à la clameur publique. Les gens qui disent « Oh, il faut payer moi si y'a comme premier ministre, donc Mokonzi Mboka aza champion, il y a masculinité positive, à Pessimiso, moi si. » Ok, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les mamans. C'est bien, maman, il faut payer Azala. Madame la première ministre, à côté de l'histoire, il y a clameur publique, il n'y a que pour une première fois, la femme est devenue premier ministre. Mais c'est pour quel rendement? Quand je parle de la compétence et du diplôme, cette scission ou cette scissiparité, je l'ai fait parce que Batuebele, Oyobayaki, Nalikambouya, diplôme, Bawazorar, Baboye, ils n'ont rien apporté au Congo. Madame, nous ne devons plus passer sur des plateaux de télévision pour défendre des individus. Il faut défendre la République. Je suis désolé. Madame la Première ministre, comme l'a dit mon co-débatteur en face, à peine nommée, à peine devant le combattant de l'UDPS. Non, mais écoutez, même si vous voulez vous faire une santé parentale, si je peux le dire en ces termes-là, mais ce n'est pas de cette manière-là. Ça veut dire que madame est devenue une institution et la sacralité des institutions voudrait que même les personnes qui les animent respectent ces institutions. C'est une erreur. Une erreur monumentale. Le populisme ne construit pas la nation. Ça, c'est un. Et deux, le Congo n'appartient pas à l'UDPS, s'il vous plaît. Je crois que je serai mal compris, maltraité, j'accepte. Moi, je vous encourage. Le Congo n'appartient pas à l'UDPS. Le Congo appartient aux Congolais. Il y a une multitude de partis politiques ici. Nous ne pouvons pas essayer de se faire prendre en otage par des individus au sein de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, le maître à tout faire, c'est Augustin Kabouya qui est dans les officines, qui fait tout ce qu'il veut. Or que les humains passent et le Congo reste. Les institutions resteront. Le poto, kenango moi, mingi. Ngaï naza na baye oyo, balingi to redynamiser ma institution en Mboka. Potang on dekona ngaï en face à comme premier ministre. Akuta, institution est sacré. Et principe, il y a continuité à affaire de l'État. Et ça, là, que tant ouya ouya, et puis ça y est, tâche mounenete. Et les Congolais resteront toujours insatisfaits, ceux qui basent devant une politique qui leur impose un système de larbin. Larbin, Alina ni madame, naïb sa raga ba Congolais. Un larbin, Ali moutoune n'est pas boye, au moni moutoua vimba côté na plateau, on a sac, yo, zamoua si mokota. Bibo si melanga sac, yé na bêta naomi. Ce que bisope, de toi liboye. Trois, to simbeli larbin, to simbeli moutoua na sac, ya betio makila ou koi na se. Peut-être que c'est ça que tu le dis, merci. Mon tuango a balugi a kei. L'arbe est yewana. Donc moi, je ne fais pas partie de cette lignée-là. Nous sommes une force de proposition. À la place de madame qui est nommée, il y a des gens qui sont importants pour cette République. J'avais proposé plusieurs fois que le Congo traverse un moment difficile. Il faut au gros mot grand remède. Il faut que tu aies quelqu'un qui peut être fort, qui peut imposer un dictat qui peut répondre aux réalités de notre environnement. Les gens battu qui croupissent en prison, je salue mon amboka Jean-Marc Kabunda. Battu Bélé, je comprends que ces messieurs-là, depuis qu'il a été dans toutes ces officines qu'il a fait, il n'a que proposé pour le peuple. Merci beaucoup. C'est quoi mon toit bongo? Bokangi Botiana. Pourquoi bien, Misaïa, ta tête, et Bopé, ça y est, ma solo, abon, Isamboka. T'es. Ça veut dire mais que Azaraki est belé. Ce que tu as l'émission technique dans le pays, Kabunda Azaraki est belé. Je vais ici te dire ceci. Le problème pour le changement de notre Congo, ce n'est pas la nomination d'un premier ministre, c'est Félix-Antoine Tshisekedi le problème. Si lui-même comprend qu'il est le problème, c'est en ce moment-là
qui va trouver des solutions. Donc on a des opposants au sein de l'UDPS. C'est ça la force de l'UDPS. Ce n'est pas un mouvement de l'armée. Moi, je vais te sortir des vidéos où j'ai 10 ans aux côtés de papa Étienne Tshisekedi. J'ai des photos ici. 10 ans. Quand un enfant de 10 ans sort dans la rue, allez-y comprendre le niveau de la maturité. Merci nous sommes beaucoup. des matures de l'UDPS. Ça veut dire que beaucoup. Les Peter Kazadi, les Kabouya sont venus nous trouver, nous, au sein de l'UDPS. Très bien. Merci beaucoup, moi, Lamboka. Mon amour a le bon frustré. Merci. Non, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est ça le mal avec le Congolais. Très bien. Nous allons prendre deuxième partie, émission Nabisso. Autour, il y a situation sécuritaire dans la partie est, puisque Madame Souminia Koti, dans le contexte assez difficile, mais tout le monde est là-bas. À propos, il y a Ndeko Augustin Kabuya, Liboso, il y a militants, il y a parti Naye, à l'objet, ceux qui m'ont embêté, qui n'ont pas la montée, parce que ça la guerre. Tata Mokambie, quand les gens sont tous mobilisés à Kinshasa, ils ont été la guerre. C'est-à-dire que, président Yakala, président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous allons revenir sur ces propos avec Ndeko Diego. Comment est-ce que Olandaki ba propos wana? Est-ce vrai? Est-ce faux que Lelo est en complicité interne dans les Kametali situation sécuritaire dans la partie est? Merci beaucoup, Maman Naomi. Avant de poser la question, je vais permettre de toucher à moi point mi balé mi satu. Il y a beaucoup de débatteurs, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de Nathanaël. Il y a beaucoup de l'élection. J'ai compris que j'ai en face de moi des opposants. Permettre à Ngaï quand même de défendre l'institution. Opposant au pouvoir. Non, c'est un opposant, c'est un kamikaze. Excusez-moi pour l'expression, s'il vous plaît, au sein de l'UDPS. Excusez-moi pour le terme, au sein de l'UDPS. Oh là là. Excusez-moi. De quoi excusez-moi dans. Soit le mot est trop dur, on a déjà excuse. Dans le cas de l'UDPS, de quoi excusez-moi dans mon yébon. Libisangaï, frère, avec beaucoup de respect. De quoi j'ai compris que c'est un frustré. Il prend ses problèmes particuliers. S'il n'a pas été en mesure d'arranger le problème dans le CG Kabuya, avec le Mimamouti dans la télévision, avec se jeter sur le président de la République, avec se jeter sur. Parce que peut-être. À se retrouver était jusqu'à présent depuis le régime Ebandi. C'est ce que j'ai compris. Hein. Oh, il s'est pas encore retrouvé. C'est ce que je comprends. Il paraît qu'il y a des pro-Kabuya et puis des contre-Kabuya au sein de. Mais c'est tout à fait normal dans un parti politique. Ça se passe comme ça partout. Kabuya n'est pas un saint. Je n'ai pas dit ici que Kabuya est saint. Kabuya aussi a ses défauts. De la même manière que le président de la République a aussi ses défauts. Étant humain, ça c'est lié à la nature humaine. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est inhérent. Ndegoula, on a compris que non. Azali, d'abord, on a un problème. Il y a nomination au Azuite. Azali, on a un problème. Il y a Moutoua Azali pour soutenir pour n'avoir nommé Premier ministre Azuite. Azali, on a un problème. Moi, un problème, Bélé. Voilà, ce sont des problèmes particuliers. Tu sens en lui que non, il est en train de régler les comptes à Augustin Kabuya. Et non, ce sont des problèmes où Azali qu'on critiquait objectivement. Je trouve en lui, c'est ce que je trouve en lui, c'est ça. Alors, maman, j'ai dit de Soumino, elle n'a pas prouvé. Nous allons comprendre. Moutouakouti n'a fonctionné qu'à deux jours, trois jours passés. Elle devait prouver comment et quand. Puisque Bani fonctionnait caca à peine. Au niveau du plan. Ndeko. Dis-moi ce qui est fait. Maintenant, on a exécuté le programme Moana. Il y a 145 territoires. Quand on a école, quand on a centre, il y a un centre hospitalier. On a exécuté. À combien de pourcent déjà? Tout est exécution. Mais ça évolue. Je peux entrer dans le site ici pour vous citer normalement les points évoluants. Il y a Ninoua, si vous me permettez, Nakota na site, il y a Beseko, Anatang et la Bino Yangou, FDLT. S'il vous plaît. On est rangé qui était, non? Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Si vous permettez, Nathan, on peut s'en vers Fiolo, on peut. Maman, quand je parle des internes insatisfaits, on va faire partir. Parce que à l'ini, tout est réglé par les bâtons magiques pour réaliser mieux son malamoko. Il est bien conscient que ce que Félix Antoine Tshisekedi a un problème, ce qu'il a réalisé dans un laps de temps. Tous les quatre présidents, Moutassalam Azalate, mais Félix Antoine Tshisekedi l'a fait dans un laps de temps. N'est-ce par exemple. Ouais. Gratuité enseignement. Au moins, moi, il va bénéficier. Jamais. Ça va venir. S'il vous plaît, on vous dérange.
bazali ba bénéficiaire gratuité et accouchement ba maman ba femme na biso bazali ba bénéficiaire nazo l'exemple par exemple ya les vivre ensemble. Je vous prêche un exemple. Vivre ensemble entre l'ancien président et l'actuel président de la République. Est-ce que mon manière va se traiter l'ancien président et Angola, ou mon manière va se traiter l'ancien président et Kenya? La manière dont Bazara minimiser, n'amboka na bango moko. Mais Félix Antoine Tshisekedi. La différence c'est ça. Makasi. Tant on dit qu'on a ba kei ba fongo. Tant non, tant on bas service intelligent, ils allent ba indice ba éléments singeli ba vérifier et ba hésiter parce que Bazara n'a droit na bango sala musala wana. Tokéina ba construction, il y a ba centre financier. Construction, il y a ba centre culturel. Tokéina makambu ya production au Italie Kanya makasese. Autrement la production, est-ce que ça touche la population congolaise? La population zolandabiso, est-ce que la population a ressenti changement au bino bozako lobi na télévision? C'est bien cravate nini. Non, il y a le changement. Est-ce que la population a ressenti ça? Maman, tant au transfert au salaté, tant au bakbazo beta makolo, tant au moeza makasi, courant zate ma ezate, transport en malongate, kolia dollar kolobate. De manière sincère, le changement n'est pas encore absolu. Mais les changements y est. Tout ça la sincère. Le changement n'est pas encore total, mais les changements, ils ont quand même, entre 40 ou 45%. Parce que les pays, maman, et aussi dans 4, il y a gouffre. Pays où tu m'as aussi, il fallait que tu sois même dans la surface. Tu mets dans la surface, tu as à peine à auto-décoller, non, auto-décoller. Mais tu as quand même un gouffre, tu as un gouffre, tu as un auto-décoller. Nous avons un lobby, Makambouya, légitimité. Vous allez vous bloquer, tata, mon conseil à l'école. Alors, Makambouya, braquage électoral. Si na moya lelo ba la accepte sauté résultat au bulletin de vote moko serait bazar que non ba vota bango et puis ba publier bango te. Mais comment est-ce que vous parlez de braquage électoral? Ça c'est être malhonnête, ba excusez moi pour le terme. Alors bi makambu ya bati kamere mboso ba dai ko condamner makambu matali agression ya RDC par le Rwanda te atangela ngai partenaire na bango Moïse Katumbi aibisa ngai président Naye, Seth Kikuni, quand est-ce que va faire la déclaration officielle pour dénoncer l'agression rwandaise? Il y a Katoum, il y a Tamba Lamoko. Et puis, il y a Seth Kikuni, il y a Soukézara Kan. Quand il va faire dénoncer. Vous comprenez que non, tout le monde est en étape, il y a critique objective. Moi, je suis pour la critique objective. J'accepte parce qu'ils ont aidé à avancer. Parce que ceux qui va faire la critique objective, voilà, il y aura beaucoup de ratés. Il y aura des histoires, où le marché est dans le pays. Moi, j'aime ça. Très bien. Il faut te critiquer. Soit tu es critiqué, voilà, toujours il est mokaté. Très bien. Quand je dis que je suis critiqué, pourquoi je suis 35 et toi, tu es bien. Ah, tu as raison. Je suis critiqué, ma justice, tu es marché, tu as raison. Mais tout ça, quand même objectif. Tant que ça, je suis habitué. Tout le monde a ma cambo, tu as ma futilité. Ma futilité, c'est-à-dire, je suis plus en chance dans maman Judith, déjà qui a. À quoi pèse sa proposition, ma longue à quoi apporter solution. Pour nous, le bien, on a échoué, on a mon résultat, on a planté, mais pourtant, on a exécuté le programme à 145 territoires. Mais quand les écoles sont dans la province, les millions sont satanés qui sont dans l'école de Tongama, mais les autres sont à travers l'école. Ma maman a commis dans l'hôpital, ma condition, ma longue à travers le centre hospitalier. Situation sécuritaire. Situation sécuritaire, maman. Nous devons nous rendre compte que nous sommes, nous étions dans un étau. Nous sommes dans un étau. Il y a complot moro très ourdi. Les complots internationaux, les complots au niveau international, les complots au niveau interne. Moi, c'est que je suis en train de dénoncer beaucoup plus, d'abord au niveau international, parce que tu as vu ma médecine nationale de Bafonctionnaire. Tu continues à dénoncer, il faut te dénoncer. Mais ce qui inquiète beaucoup plus en l'instant, c'est les complots au niveau interne. Tant que mon an, peut-être que moi je faisais foi en eux, que non, c'est d'abord mon camp. Comment la banque colombe, la partie politique. Ou intégrer un groupe armé. Maman, j'étais trop choqué. Je me suis dit, vous acceptez de trahir la nation parce que vous êtes frustré. Est-ce que vous savez ce que M. Étienne Tshisekedi de Wamulumba a subi comme frustration pendant des années, des décennies et des décennies? Vous le savez très bien. Il a pris les armes contre son pays? Non. Vous savez ce que l'actuel Tata Mokonzi Ekolo a subi comme frustration? Il a pris les armes contre ce pays. Il a été invalidé. Au niveau de l'Assemblée nationale. Il a pris les armes. Martin Fayulu, nous n'en parlons pas. Il a été frustré également. Il a pris les armes. Vital Kamerhe a été frustré aussi. Il a pris les armes contre son pays. Jamais.
Mais je constate seulement que le PPRD est devenu le premier parti politique producteur des rebelles et des hauts traîtres du pays. Est-ce le seul parti politique, puisque depuis un temps... Citez-moi d'autres partis politiques. MLC, par exemple, de Jean-Jacques Mamba. C'est vrai qu'il a démissionné. Il avait démissionné avant. Mais Henri Mangi, Adam Scholl n'ont pas démissionné jusqu'à l'heure actuelle. Ils n'ont pas démissionné. Je commence à m'inquiéter. Je me dis maintenant, actuellement, nous devons observer nos opposants avec un œil, je ne sais pas comment les surnommer, mais je commence à avoir crainte de ces opposants. Ils ne sont plus opposants. Ils sont devenus terroristes, mais dans la posture des opposants. Ils sont devenus des groupes rebelles, mais dans la posture des opposants. Parce que je commence à avoir crainte de se dire que non, je peux débattre avec Nathanaël aujourd'hui, mais je ne dis pas ça. Je peux débattre avec lui, mais demain, je crains de les voir demain intégrer un groupe armé. Mais je le souhaite. En quoi est-ce que Joseph Kabila est impliqué dans ma camionion sur l'opposition? Puisque quelques membres du parti politique n'ont pas longué, qu'ils se rallient dans le Maman, ils nous ont promis depuis très longtemps que nous allons appliquer l'article 64. L'article 64 a des alinéas. Mais ils ont la phrase, la casquette, il y a un alinéa, on va s'accrocher dans haut. N'oublions pas ici, ne serons pas amnésiques, que Chadar a promis le pire. Il a dit, nous allons créer l'instabilité dans ce pays. Au Bosnien, Chadar nous avait promis ça. Et matin, midi, soir, nous allons appliquer cet article-là. On s'est dit, ah, qu'on reste dans le respect de la Constitution. Tata Mugondi Eko, la boue, il coupe sa bonne opportunité, pour n'avoir pas de problème. Puisque, bon, on peut appliquer l'article 64, parce que Tata Mugondi Eko a commis qu'on violait la Constitution, a commis qu'on tambola sur plate-bande yabaninga. Mais il y a tambola plate-bande naïe, à respecter l'igné naïe, à respecter la Constitution. Mais, bien au bout du jour, il n'y a aucun de quoi intégrer ou pas. Depuis que je le bozo, alors que Augustin Kabouya, CGI de PES, a confirmé en gros que Kabila est derrière tout ce qui se passe. Maman, Augustin Kabouya, ce n'est pas n'importe qui. S'il dit ces histoires, je ne maîtrise pas ce qu'il a comme information. Mais je sais que c'est une personnalité politique d'un rang très élevé. S'il a des informations très fiables, comment est-ce que je vais en douter? C'est au service intelligent maintenant de prendre ça au sérieux, peut-être d'approcher le CG Kabouya pour lui demander ça. Mais je suis sûr et certain qu'il y a un niveau naïe à Ebikeno. Si je dis ça devant les gens, certainement, dans la certitude, j'ai des preuves dans le bango avec beaucoup de confiance. Tant dans le monde, maman Naomi, moi, Nanayo, il y a des bossos à qui a côté groupe à Bakoulouna, à côté groupe à terroriste, à commis qu'on combattre le pays. Moi, Nanayo, il y a mis balai, il y a mis ça, il y a mis ney. Pour combattre le pays. Vous allez impliquer il est mais ce sont des cas. Pourquoi la justice a saisi un dossier au parce que l'équipe a polémique et puis après. Avant de se saisir, ils sont maintenant dans le territoire où ils sont contrôlés actuellement suite à des problèmes que vous avez actuellement. Nous sommes en train d'interpeller conscience et Bandeko Nabiso et à l'opposition. Vous pouvez beaucoup combattre Félix Antoine Tshisekedi parce que tant que pour Nabino, je gère bien pour Nabino, à ce Nabino la posture Nabino T, la casquette Nabino T. Mais n'acceptez pas de trahir la nation parce que vous avez la canda à Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Restons nationalistes. Très bien. Restons patriotes. Restons loyal vis-à-vis la nation parce que Félix Antoine Tshisekedi a roléka mais trahison bin mo savez que ça la mokola lelo et roléka a terre dans la histoire ya Congo to kotanga ka trahison bazai ko sala Maton Domingue de Konata et Malobombo Kayo est-ce que ces propos ya Kolobake to ça na problème en interne et ko bebisa justement tes thèses na biso ya Kolobake to ça agressé et que ça agression et que communauté internationale même sur ces plans là et singela qui makambo salemande ngemo susu est-ce que le lot thèse wana et ko bimisa yango rébellion la place y agression est-ce que to reculé te en termes de lobbying autobandé de ça ko ça Kolobake en interne ba to bazali ko bunisa mboka ko. Merci beaucoup maman Naomi. Tant que tu es dans le plateau de télé, tu es dans le plateau de télé, tu es parce que tu as eu courage, tu as eu opportunité, et tu as eu l'opportunité. Alors, déjà, mon co-débatteur, j'ai très mal de voir comment est-ce que des jeunes aujourd'hui, au nom simplement de positionnement, préfèrent défendre l'indéfendable au nom du pays. Olobeli critique objectif. Objectif plutôt, critique objective. Mais c'est quoi la critique objective? Quand il touche Kabouya, non, il est frustré.
mais yo moko ndiro zo lobelo ko ozoye bangoti. Quand on critique, critique ça la plus mal. Vous le président a réalisé en 5 ans ce que les autres n'ont pas réalisé à 18 ans ni à 32 ans. Oui. Mobutu n'a pas su diviser le pays en 32 ans. Mobutu n'a pas su diviser le pays, installer le tribalisme à 32 ans. Kabila ne l'a pas su le faire à 18 ans. Mais Félix Antoine Tshisekedi l'a fait à 5 ans. Ah, est-ce que sur Mobutu, il n'y avait pas de tribalisme? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Je vais vous peut-être que niveau. Non, je vous dis une chose. Il faut retenir ça. Tout le monde me suive. Ndeko Kabila était un Katangé. Mais aussi longtemps que Ndeko Kabila gérait, on ne les liait pas au Katanga. Tango, Premier ministre Azaï qui n'a pas au Katanga, président il y a Seni. Attends. Kabila. Plus que l'institution. Kabila, on ne les liait pas au Katanga. Et le combat n'a jamais été contre les Katangé. Non, mais moi, Olisou, dis-moi toutes les personnes qui défendent Kabila, qui défendaient Kabila, bah, généraux n'a ignoré ça. Qui était un Katangé, qui était son généraux au fond? Je vais vous citer les Mende, les autres. Tu verras qu'il n'y aura que d'autres provinces. Je vais vous dire encore une chose. Aujourd'hui, si quelqu'un est contre et pour le régime, à 80% doit être toujours de sa même famille, soit politique, je ne dirais pas politique, du même espace linguistique. Critique objective n'existe plus. Quand vous faites des critiques objectives, on vous taxe de tout mot. On vous taxe de tout mot. Ils sont peu, ceux-là qui peuvent s'élever aujourd'hui. Quand celui du même espace veut s'opposer, il y a une frustration. Oh non, il est frustré, tout ça. Or, au début, ce n'était pas comme ça. Je vous dis, à 5 ans, M. Félix Antoine Tshisekedi a su faire ce que les autres n'ont pas fait à 18 ans. À 5 ans, on a atteint la dette de 10 milliards. Alors qu'on n'avait que 2 milliards. À 5 ans. À 5 ans, aujourd'hui, nous avons la partie de l'Est occupée pendant 2 ans. À 5 ans, aujourd'hui, les militaires ne sont pas bien payés. À 5 ans, aujourd'hui, les députés ont eu une majoration des salaires plus que 18 ans de Kabila. À 5 ans. Aujourd'hui, ils touchent à 33 000 dollars. À 5 ans, aujourd'hui, nous avons obtenu plus de corruption qu'à 18 ans. Plus de détournement qu'à 18 ans. Ne venez pas nous dire de... Vous parlez de la production. Quelle production? Basalaka elo kote na mboka po ba bete la yo maboko. C'est ce que les co-débatteurs en face l'a dit, mais tout le bien dans ma langage différent. C'est-à-dire que na o sa le lo kote po ba bete la nga maboko na zo sa la ne po esunga batu. Comment on peut fonctionner d'une manière folklorique? On veut toujours écouter les tambours. Aux alentours de nous, masculinité positive. Ah, c'est pour la première fois. Une femme. Et après, peuple, et après. Les autres transcrits, ça l'a dissout. Congo Airways, ça l'a dissout. Bakitsara billet, comment soit 180 dollars. Les gens voyagent. Pour voyager vers Lubumbashi, vous savez, c'est combien? Ce sont les questions qu'on devait se poser. Mais lorsqu'il faut des choses inutiles, les choses qui touchent à notre ego personnel, les gens viennent applaudir. Et moi, je ne viens pas sur le plateau de télé pour faire ce genre de débat parce que, un, je risque la prison, je risque l'incarcération, je risque d'être tabassé par des gens qui ne comprennent pas. Alors, quand je viens sur le plateau, c'est pour parler du pays. Et le pays passe avant tout. Ça, c'est comme ça que la jeunesse doit réfléchir. Et puis, Nabandeli Lissoussou, la comparaison entre Kikuni et Bemba ne peut pas se faire. La comparaison entre Kikuni et Mbosso ne peut pas se faire. La comparaison entre Kikuni et Bahati. Ils sont des tenteurs du pouvoir politique. Mais c'est Jean-Pierre Bemba, Aza ministre de la Défense. S'il vous plaît. Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Bahati est président du Sénat. Kikuni, c'est un président des partis politiques, entrepreneur simple. Bozo, c'est la dénonciation d'Abisso, alors que Bino Bozo a un mécanisme pour mettre en pratique, afin que nous ne dénoncions pas. Parce que nous n'avons plus besoin de dénoncer, on a besoin de la paix. Dénoncer à tout le monde. Tout le monde a qui m'y acteur politique, moi, non, maman soutient la population. Maman, dénonciation d'Abisso, Bokinango Wapi. Tout qui n'a pas de dénonciation d'Abisso, ils auront moins. Ils ont un peu de moins à noir le baquet, tout là, la ransal. Mais tu peux empêcher à l'Obango. Tu achètes la nourriture, c'est toi les parents. Yo za bosso te mona nanga jamais a loba ke biso tola la ba tola la nzala. Oh poni yo moko za parent trouver solution biso to yo dénoncer. Le pays ne peut jamais fonctionner comme ça. Ah ngandi za bosso linga pas na propos Augustin Kabuya là moni Kabila a été tout dans ce pays hein.
Kabila a été tout dans ces pays. Il a géré, il a fait de mauvaises choses. Tobenganaye. Lutte pour Kabila qui ne sait pas l'UDPS seul. Parce que Mkoto a obligé à recensement pour l'élection. Ce n'était pas l'UDPS seul qui était dans la rue. Mkolo Oyo, Kengwa Dondolbara, Toyo Kabalabala. Ce n'était pas que l'UDPS. Moi, j'ai perdu mon frère dans ces combats-là. Ce n'était pas l'UDPS seul. Nous avons cru à un changement. Tokoloba pour tout monique, Moutouazala qui n'a Moutouobso Tomemi n'a pouvoir. Tout le monde a différence. Mais venir tenir des propos pareils, d'abord c'est l'amateurisme politique. Pourquoi? Parce que c'est envoyer le message à Félix Antoine Tshisekedi. Que yo peut-être en Okolonga Moutouakoya a roumaki au respect. Vous comprenez ce que ça envoie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Kabuya qui est là. Demain il y aura quelqu'un d'autre. Et puis Félix Tshisekedi se dira quoi? Ah, Kabuya manque le respect comme ça, celui qui était là. Moi aussi je peux manquer du respect. Ça peut empêcher la démocratie perpétuelle de notre manque pays. Manque et respect aux dénonciations. Il y a ma camoufle. Manque et respect. Quand vous êtes du service des renseignements, quand vous êtes un acteur politique connu, tout ça dans le langage, désormais, ce n'est pas une rébellion, mais c'est l'agression, n'est-ce pas? Bisous, ça te change un narratif. Et le roi rébelle, parce que la rébellion, c'est fait par les fils du pays. L'agression, c'est par les étrangers. Te changer, te lobby, et ça, rébellion. Et ça, agression. Mais tant où informateur, vous comprenez, secrétaire général, il y a parti politique au pouvoir. Aïe Kolobabi, Eza agression, mais Eza rébellion. Qu'est-ce que la communauté internationale va comprendre? Mais bien sûr, Réfraison, je dis, c'est la matérisme. Même à l'époque d'Étienne Tshisekedi, moi, je crois, si Étienne Tshisekedi était vivant et que Kabuya a tenu ma propos, il allait être exclu du parti. Mais il dit, il ajoute, Kagame, en connivence, Kabila, nananga bangonyoso. Non, on les amalgame, maman. Kagame, Kabila, en réalité, quand vous associez les fils de la maison, ce n'est plus une agression. Et comme une rébellion. C'est ça que j'aimerais comment. Ah, bah, sur le la PPRD, bah, on a régional, piste pour l'émergence, on a des valeurs qu'on est en train de défendre. Non, régional n'a jamais rébellion, peu importe. Mais, vous savez, et ça n'est l'homme en fond, la binôme, il s'en a assuré que c'est ça qu'a Simbaoté. Voilà, c'est ça que. Bah, on l'a d'abus. Et puis, Naza, moi, on est directeur, donc, moi, il y a préfet, bah, quoi, au PSA, Pincha, Makas, donc. Non, je vais seulement dire une chose. Bouébi MLC, ESA, Mouvement de Libération du Congo. Dans un pays comme la démocratie, ces partis-là devaient d'abord être supprimés et être créés à nouveau. Vous savez les règlements d'ordre d'intérêt à MLC, c'est quoi? Parce que le MLC n'a pas été fondé comme un parti politique dans la démocratie. Le MLC, c'est la rébellion, Mouvement de Libération du Congo. Ne soyez pas étonnés que Jean-Jacques Mamba puisse avoir dans sa tête la vision de libérer le Congo par les armes. Qu'ils nous disent, règlement d'ordre intérieur à Bango, quelle formation politique, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'ère militant, à l'ère cadre? Dans des pays sérieux, MLC devait être supprimé. Parce que. Il n'y a pas que MLC, il y a plusieurs partis politiques au Bazala qui n'en ont pas. Vouloir ou pas, l'idéologie politique du MLC n'a jamais été démocratique. Vous comprenez? Règlement d'ordre intérieur, statut Nabango, c'est parce qu'ils sont issus de la guerre, ils en auront ça. Normalement, il fallait d'abord changer les règlements d'ordre intérieur, changer le nom du parti, changer l'idéologie politique. Parce qu'aujourd'hui, Adam va rejoindre. Adam rejoint, mais celui qui a créé AFC, c'est Jean-Jacques Mamba. Il a dit. Comment ça? Soit nous ne suivons pas les. Soit nous suivons. Il a dit, nous avons créé AFC. Jean-Jacques Mamba Lobini. Nous avons créé. Nous avons porté parole à Jean-Jacques Mamba. Très bien. Je te reviens. Merci beaucoup. Non, mais tu devais me laisser quand même finir. Bon, je rentre dans le sujet de la sécurité. Sortie médiatique, il y a Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, na bantenya ya France 24, à lobby azo confirmé à Bandeli Yango que complicité interne jusque là,
ils allaient démontrer même là-bas service n'abîme. Est-ce qu'à rejoindre discours il y a Augustin Kabuya, Kolobaki Kabila, Ndaza Simamakambo, Tobalambo Kamosusu. À ce stade, pourquoi la justice s'est saisie dans les Kamboyangote? Est-ce que finalement, Europe a raison na Rwanda, na Paul Kagame qui dit que le problème est finalement les Congolais entre banques? Merci beaucoup, Maman Naomi. Je pense que ce qu'il a dit n'a pas rejoint Augustin Kabuya. Ce qu'il a dit, c'est comme l'a dit mon co-débatteur sur ce plateau, pour Diego, qui a voulu aussi sonner pour dire aux Congolais de ne pas aller au sein des groupes armés pour combattre la République. C'est ça l'esprit de la lettre, la communication de Lutundula, qui est différente de la communication d'Augustin Kabuya. En tout cas, mon frère me dit sur ce plateau que je suis un frustré, mais je vais rappeler à ceux qui nous suivent qu'avant que les gens soient ce qu'ils sont, j'ai été. Je suis né d'un père qui est devenu gouverneur, maire de la ville au Kassai, élu de l'UDPS à l'entrée de l'AFDEL. Adolphe Dinanga, tu tapes sur Google, tu vois les noms. C'est-à-dire qu'au moment où les gens se battent aujourd'hui pour le positionnement de manger, de quoi et des positionnements, j'ai grandi dans l'UDPS et ce monsieur, mon père, est lui dans l'UDPS. Je ne suis pas un parvenu, je ne vois rien qui va me frustrer. Business class, je suis parti plusieurs fois. Donc, je referme cette parenthèse. Je n'ai pas besoin de poste ni de quoi que ce soit. Nous devons sauver la République. Les propos, je dois régler. En tout cas, tu as raison. Je te suis sémantiquement sur ce que tu as dit. Je dois régler le compte aux ennemis de la République. Quand quelqu'un, Moutoua Fongoli Mounoura Zoloba, a lobby des propos qui met la République en moule, qu'est-ce que nous allons dire? On va lui régler le compte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis dans le règlement des comptes. Si c'est là la compréhension. Le pouvoir est qu'on se plaindre de T. Les propos d'Augustin Kabuya ne sont pas acceptables, c'est humiliant. Le propos d'Augustin Kabuya combat même la vision du chef de l'État. Ça veut dire que le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir contrôle les services de la DGM, les services d'intelligence. Le pouvoir anticipe. Si vous avez constaté que Kabila serré dans les officines du M23, vous avez le pouvoir. Mais arrêtez-le! Pourquoi le laisser sortir? Il est sorti. Et puis après, monter dans une matinée politique. Sans laisser de traces, Augustin Kabuya. Mais écoutez, ça fait insulter nos services d'intelligence. Comment il peut sortir sans être détecté à la DGM? Et vous avez cette information, vous l'avez laissé partir. Après, vous montez au créneau en voyant les Congolais comme des choses pour leur dire que. Il est sorti sans se signaler et il a décidé de commencer à nous faire la guerre. Que la foudre tombe sur la tête des faiseurs de guerre. Écoutez, les gens ne comprennent pas. Nous pouvons tout accepter. Mais pas des Congolais qui rentrent dans la lignée des rebelles. Vous ne pouvez pas aimer Félix Tshisekedi, oui. Vous ne pouvez pas aimer la façon de faire de Tshisekedi, oui. Mais il ne faut pas trahir la nation, mon Dieu. Ça fait très mal. On est rattrapé à chaque instant par nos actes. Moi, ce que je parle, ceux qui me suivent doivent comprendre, je suis rationnel, je ne suis pas applaudisseur, mon Dieu. Même le cardinal en Bongo dit que ce qui est au Salema Bongo, parce que ma frustration, non. Justement, m'a blessé à partir de ça. Madame, écoute, aucune nation au monde n'a résolu les choses par un coup de baguette magique. Quand on nous parle de Kabila sur ce plateau, non, Kabila n'a pas de leçons à donner au peuple congolais. Le premier destructeur de cette nation, c'est Joseph Kabila. Les accords à l'est de la République pour lesquels Tshisekedi se bat aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Nous savons tout ça. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi, je le dis, je le dirai tous les jours. C'est vrai, on l'a laissé un pays obsolète sur beaucoup des accords, beaucoup des officines d'ailleurs qui ne l'ont pas aidé à fonctionner. Le pays était au 20e étage du sous-sol. Ok? Et aujourd'hui, Tshisekedi, ce qu'il a fait, là où je ne suis pas content de lui, là où je n'ai pas d'accord avec Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas pu faire la scission, une démarcation entre la gestion de Kabila qui est parti et sa gestion. Il s'est fait entourer de personnes par épidermisme qui ne l'ont pas accompagné, je le dirai. Il n'y a pas de changement pas de différence entre Kabila et Tshisekedi? Non, il y a des différences.
Je vais ici dire aux Congolais qui nous suivent. La différence avec Tshisekedi et Kabila, la liberté d'expression aujourd'hui, quelqu'un peut proposer à Tshisekedi des choses que personne ne peut lui dire officiellement. Ça, c'est un avancé. Aujourd'hui, il a cité la gratuité de l'enseignement qui rentre dans des réformes. La gratuité de la maternité, le projet de développement 145 territoires, les intentions sont bonnes. Batex Nabiso et Zalaraga, bien. Politique à Tshisekedi, ma intention n'ango qui toque. Mais les animateurs, le choix des animateurs, ce que Kabila avait dit dans le temps qu'il n'a pas eu 15 collaborateurs, je pense que cet élément n'a pas disparu du linguistique de Congolais. Nous sommes revenus dans la même chose. Je l'ai dit, les gens voient toujours mal. Même le CG de notre parti politique, Augustin Kabouya, n'accompagne pas Félix Tshisekedi. Parce qu'à tout moment que Augustin Kabouya ouvre sa bouche, c'est la confusion. Mon frère ne sait pas comprendre ce que je dis, il me traite d'un frustré. Je suis désolé. Donc ce que je dis, c'est que nous suivons, comprennent. Quand Augustin Kabouya ouvre la bouche, c'est toujours des confusions. Regarde comment il a foutu la moule avec cette histoire des Kassaïens. Il a créé une zizanie entre les Kassaïens. Après, au lieu de demander pardon quant à ça, il vient avec un autre dossier. Et qu'est-ce que nous disons, écoutez, le Congo n'appartient ni à Tshisekedi, ni à Augustin Kabouya, ni à Fierté Dinanga. Le Congolais appartient aux Congolais. Merci beaucoup. Et donc, j'ai fini, je chute pour dire que les enfants que nous avons mis au monde, nous poserons la question un jour. Vous avez défendu Augustin Kabouya, vous avez défendu Félix Tshisekedi. Pour quel résultat? Tshisekedi devrait s'être accompagné de personnes comme Jean-Marc Kabound. Quand je parle de ces messieurs-là, les gens peut-être disent, pensent autre chose. Une personne qui a proposé dans ce pays qu'on touche à ce qu'on appelle le dû des députés. Il a même sacrifié ses émoluments, les droits aux acquis. Il a proposé que la réduction du budget à 50% dans ce pays. Et les gens ne voient pas tout ça. Ils voient l'épidermisme et ceux qui chantent Fatih Béton. Nous allons soutenir la vision de la République. Les rebelles, on ne va pas accepter. Merci beaucoup, Mwalamboka, Fierté Dinanga, Tokomina Souka émission. On a repris ça 1 minute 30 na moko na moko pour on a repris ça ma proposition puisque c'est bien de critiquer, mais ensuite c'est notre pays. Et Sengeli et Tonga ma na mikolo et sali koya biso kande tortika mboka na mboko ya bana na biso ba ko tout na biso nini to sala ki na mboka Congo de Kodiego, formation gouvernement et Zali Koya, Batebele, Bazali Koloba déjà sur Bilongi, Otoye, Biezon, Arakar, et puis pas de résultat. Ce qui vous a l'air qu'il bosse à Maman Soumina, Conseil européen, c'est pour caresser Mandanaï. Merci beaucoup, Nani. Il nous a réagi à ma gomme là-bas. On a dit qu'on vous permet de glisser à moi, Moukina, pour nous aller comme moi. N'abandonne d'abord à moi, ma commande de Kolobi, à ta, moi, d'abord, et puis à côté de ma matérie proposition. Ndeko Alobi, awa Jean-Jacques Mamba est le créateur de l'AFC. C'est faux. Azolinga de douanier Nanga. Or, nous savons tous que Nanga est là. Elle a fait la sortie officielle. Nanga, c'est un proche de Kabila. Nous le savons tous. Il doit faire la différence. Mamba a démissionné avant d'intégrer ses groupes armés. Il doit encore faire la différence. Le MLC a été créé dans un contexte. Il y a Babé Légérant, certes. Mais ce n'était pas créé comme un parti politique. On a créé ça un parti politique. On a muté à un parti politique après avec d'autres textes. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il doit consulter les textes. Il y a MLC, il verra qu'il y a les contraires à Mambazoloba. Alors, Magamouya, il y a une dénonciation à Katumbi Wapi. Katumbi, c'est un fait privé. C'est Kikuni, c'est un fait privé. Oh, maman, ça, c'est gravissime comme propos. L'inert d'opinion comme Moïse Katumbi Wapi, il y a un propos à Wapi. Maman, tu penses que celui qui ne dit mot consent, celui qui ne dit mot consent, parce que Katumbi Banda Banda, à tout cas, à mon côté. Vous condamnez Maïmatali à l'agression avant. Mais si, c'est sur France 24. Or, auparavant, dans le monde, il y a cette qui a dénoncé la loi. Mais tant que ça n'a pas été Katumbi, à Zigouana, il y a une Katumbi, ou à Oké Lengouana, qui a été agression rwandaise, ils ont intéressé ce souté. Il y a un peu de monde, porte-parole, il y a un peu à Zigouana. Ça ne vous intéresse pas. Il y a une qui n'est pas Katumbi. Ah, il faut qu'on vérifie. Ça, il faut vérifier, maman. C'est tout ça, blague. Il y a un peu de monde, quoi. Je suis à l'objet de l'objet de l'objet à propos de Kabouya, etc. À propos de Kabouya, je suis à l'objet de haute personnalité politique. Tant que ça a des informations, on a des informations. Mais les mains suspicieux que vous avez pour Kabila, à tout ça, la politique, je ne l'acquise pas directement. Mais voir quelqu'un qui est très proche de Kabila intégrer un groupe armé, ça dit déjà tout.
ça dit tout. Tout réfléchir sur les Syriens. Certes, bah, propos M. Kabou et Zali, à ne pas encourager. Il y a certains propos, par exemple, moi, je n'adhère pas. Les immigrés. Là, je n'adhère pas. Mais même soit lobby sur Kabila, il faut réfléchir autour de ça. Mais parce pourquoi, que nous savons pourquoi, a... pourquoi justice a saisi au tête de monde qui, au Dieu, il y a un déco, Simba, il s'est retrouvé à Makala pour n'avoir pas. Mais bon, justice a se saisir, pourquoi... c'est saisir, à quoi au lobby, on a TVA. Non. Aïe, nous sommes là, nous sommes là. Nous travaillons dans le service d'intelligence. Aïe, nous sommes là, nous sommes là. Dans ma matinée, maintenant, je suis à l'animateur, on a déco soulevé. Mais l'intention, papa, on dit que les alliés, malam. Peut-être, je suis à l'animateur, ils ont posé problème. Cette fois-ci, tata m'a dit que les alliés sont importants de quoi soulever un aligné au Makassi. Il faut aveiller sur Yango. Bah, animateur, il y a la commission, il y a la poste, nous n'en voulons plus. Tant que nous avons besoin de preuves dans le secteur, dans le domaine, on a besoin de lui. Très bien. On n'a pas besoin de Moutouba parce qu'il a son poste, parce qu'il a milité, pendant autant des années. Opération 300 000 dollars pour être aligné sur la liste des ministres. Mais donc, on a tout le monde. Voilà, je ne suis pas d'accord. Mais tu as dit d'accord, on a battu à Zahid, on a preuve. On va permettre, on a la temps sous proposition. On a tout le monde, on a maman Juliette Soumine, on a proposé. On a proposé maman. Tu as la bateau aux autres composés gouvernement. Tu as la CV, on a ça la temps, il y a bien pour nous conduire, pour la population congolaise. Par là, je voudrais profiter peut-être pour enregistrer ma frère Nandeko, Jean-Paul Kapongo. Ou à ça là, il y a le il bénéfice pour la Congo. Il a instauré maman permettre dans le Bélangwa et l'autobengi ITB, initiative de traçabilité des bases. Ils ont dit outils, ils ont dit qu'on permettre, c'est un système qui a permis la traçabilité d'or et ce qui a permis l'exportation des premiers lingots d'or dans le comptoir et à primaire. Et ça a aidé encore la République à quoi, maman? Et le mot de la République, la production est à or, il y a 35 kilos, tu combien 9 tonnes dans le Mkola et l'eau. C'est la province, il y a. C'est la province qui a qui vaut. Et Moutouba, bon, ce qui est singulier là, ça propose, je ne sais pas, maman, je dis tout le monde. Dans ce moment, ce monsieur fera un bon ministre des mines. Parce que ce qu'il a doté à la République, c'est bénéfique pour la République. Ce qui est singulier là, on a proposé. Dans ce moment, on a un ministre qui va travailler. Le ministre, il a trois actions aux populations. Il a bénéficié à Nango. Soit il a bénéficié à Nango, tout le monde. Vous en avez besoin de parce que quelqu'un qui chante Fachi Béton, il est au PC Post. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le moment qui, maman, dans l'Assemblée nationale, moi je suis contre Mbosso Mamboso Salawana. Il veut s'éterniser. Mbosso a désacralisé l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus de lui. Tout peut sa chance, la moto Azali, n'a aptitude intellectuelle, physique, et puis ce vouloir-là, il y a pour porter ma réforme. Non, Kamere. Moi, je souhaite que ce soit Kamere. Je souhaite que ce soit Kamere parce que Kamere a cette volonté d'opérer des réformes. Je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Nathanael, Malubombo Kwayo, formation en gouvernement. Nani Ndeba Sengeli, défini les alliés causés la bango parce que on dit déjà qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. S'il faut repêcher deux, trois figures, deux, trois têtes dans le gouvernement, Sama, selon yo, Nani Ndeba Sengeli. On ne fera rien dans ce gouvernement. Mais je suis dur, on ne fera rien déjà. Pourquoi? Parce que nous sommes, ça sera un gouvernement des recommandations d'autorité morale, un gouvernement des prises de photos. Un gouvernement dont avant d'être nommé, il faut avoir une photo avec maman ou avec Augustin Kabouya. Ça ne va pas aller. On dit maman Marthe, maman Marthe, c'est autorité, il y a eu de PES. Mais oui, il y a un lobby qui a cité. Ça sera un gouvernement où avant d'être nommé, il faut avoir une photo. Il y a des gens qui n'auront jamais la chance d'avoir la photo avec elle. Et donc, ils ne se retrouveront pas. C'était une parenthèse. Et puis, deuxièmement, Boutika Kosakanaba Congolais, en écoutant, quand vous venez sur un plateau, s'il vous plaît, Boutika Kosakanaba Congolais, vous exigez à cette Kikuni un communiqué ou un Twitter ou un tweet vis-à-vis de vous qui détenez les pouvoirs politiques. Vous êtes payé pour ça. Vous mangez pour ça. Vous voyagez pour ça. Vous avez le luxe pour ça. Vous pensez que nous sommes des bêtes? On vient là. Non, non, il va la dénoncer. Non, la dénoncer. Il faut finir la guerre. Nous sommes dans un contexte de crise, mais Kabouya marche avec un cortège. Cortège à Kabouya, la voiture Moutou qui est moins chère, c'est à 50 000 dollars. As un député national. Il est avant qu'il soit. CG, il n'a pas encore réussi. Parti politique. Kabila ne bloque pas son enrichissement. Kabila ne bloque pas qu'il construise des maisons. Kabila ne bloque pas qu'il envoie ses enfants en Europe. Kabila ne bloque pas qu'il puisse avoir tout ce qu'il a comme compte bancaire. Mais Kabila va bloquer le développement du pays. C'est Kabila, c'est cette Kikuni qui doit faire un tweet, aujourd'hui fera un tweet pour vous dire de payer les soldats 1000 dollars par mois. Aujourd'hui fera un tweet pour vous dire de payer les militaires bien. Il fera un tweet pour bien payer les enseignants.
Mais non, on doit quand même faire la différence entre la détention du pouvoir politique. Bissouba Congolais, pourquoi dans notre pays, on peut commencer à témoigner à cause d'un passeport? Quelqu'un pour avoir un passeport, il témoigne. Il faut laisser Dieu tranquille. Les pays où les gens, quand tu as un visa de Dubaï, Dieu m'a béni. Il faut laisser Dieu tranquille. Tout ça à cause de nos dirigeants. Et nous, on va venir ici témoigner Kabouya. Attends bien, pourquoi? Si aujourd'hui Kabouya a tout ce qu'il a comme moyen, Azana Mitukato Tambola Nango, c'est parce qu'il pille l'argent de ces pays. C'est que les pays ont l'argent. On ne va pas rester fixé sur Kabouya, s'il vous plaît. Non, ça fait mal. Quand Kabouya vient sur le plateau, vient devant les gens, et puis il dit Mboke Tambola Biente, et ça, net aux Anangoboué, Kabila Nazo bloqué Mboka. Mais soyons quand même sérieux. La transformation de cadre de l'IDPS, la transformation des vies de cadre de l'IDPS en 5 ans, démontre à combien de fortes raisons le pays n'a plus dans la boue. On est là, en train de souffrir. Tout va dire tout la moukiboué. Quelqu'un dit, prends une information et tu es séparation. Oh, c'est un bousa bando, bousala, boukima kindo. Et aïe, au lieu de s'excuser, il ne le fait pas. Aïe, c'est Kabila qui fait du mal. Normalement, il devait être interpellé. Mais il répond et dit, qui va l'interpeller? Mais ça, ça doit changer. Et moi, j'ai dit, le président de la République l'a dit, on a tous droit de rêver. Ça, c'est Félix Tshisekedi, en 2016. On a tous droit de rêver, mais lorsqu'on finit de se rêver, il faut se réveiller, car le réveil sera très brutal. Et se laissera bientôt. Merci beaucoup, Ndeko Fierté Dinyanga. Votre mot de la fin sur formation et gouvernement. Quelques noms à répéter. Ndeko Natanela Boykotangabi, Samaluko Nela Batune Nyonso, ba échoué. Ngai na Kotanga Kombo ya Mututé. Je suis un acteur politique. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas je ne suis pas dans les rangs. Je suis un acteur politique. Ce qui na Kotanga Mutu, je citerai un seul nom, mais Azana prison. À part Moutouana, la deuxième personne que je peux citer. Non, je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas des gens. Je parle de Jean-Pierre Liaou. Je ne l'aime pas. Mais il a essayé de faire tant soit peu de choses. Je crois que c'est une bonne personne. Mais quand je parle de Jean-Marc Kabound, je ne l'aime pas. Ce n'est pas ma femme, en tout cas, désolé. Je parle de ce qu'il a pu faire. Il m'a convaincu. C'est quelqu'un qui a... Un aura, c'est quelqu'un qui peut contribuer à l'avancement de la République. Il a géré le parti pendant un long moment. C'est le meilleur gestionnaire du parti. Il a laissé le parti. Attends, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Désolé. Je vais finir mon propos. Je crois que s'il faut que je cite un nom, il est en prison, libérez-le, qu'il contribue à l'avancement de la République. Mais pour madame la première ministre, bon, ici, on nous a dit qu'il faut lui donner la chance. Exactement. Le Congo, on a besoin de Zambora et la chance. Et Zambora et mérite. Et Zambora et la chance. Je m'adhère sur ce plateau. Bappé, c'est chance. Mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tout le respect que je le dois, il a la défense de du monopole de son mandat. Aujourd'hui, Kabila est parti. Les gens ne parlent pas de Mwilani, ne parlent pas de Shadari. Les gens disent que les démons fuient Kabila. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Kabila a regretté 15 collaborateurs. Tshisekedi en regrette plus. Parce que ses collaborateurs ne lui ont pas rendu une tâche facile. Voilà pourquoi je lui dis. Monsieur le président de la République, si vous me regardez, je suis congolais. Ici, je ne parle pas comme membre d'un parti politique. Et j'ai dit à Félix Tshisekedi, il a 4 ans et quelques mois. D'où il a les devoirs, si il veut qu'on parle bien de lui dans ce pays, de pouvoir relever la pente. Relever la pente, aujourd'hui, je finis avec une réalité qui touche la ville de Kinshasa. J'allais oublier durant toute cette émission. Regardez, on nous impose un gouverneur parce qu'il est issu de l'UDPS, mon parti. Daniel Bumba. Daniel Bumba, qui au regard de sa personne, aucune conviction pour qu'il soit gouverneur de la ville. Mais pour le faire d'ailleurs bien, il y a des challengers qui sont compétents, qui sont scientifiques, qui sont managers, qui ont l'intelligence des situations. Vous voulez même instrumentaliser la CENI pour pouvoir désactiver d'autres candidats sous la course pour des raisons politiciennes. Remettez Deo Kasongo sur la liste.
parce que c'est un Congolais, il a le droit d'aller et être sanctionné par les provinciaux. Remettez de Okasongo au président de la République qu'il n'écoute pas les chants de fourmis. Quand quelqu'un perd le temps en écoutant les chants de fourmis, finalement, il n'arrivera à rien. Tshisekedi, à 4 ans, il doit faire mieux. Moi, je ne caresserai jamais dans le sens du poil parce que c'est la mémoire de Tshisekedi qui va souffrir des critiques. Merci beaucoup. On va nous dire que vous, de l'île de peste, vous avez fait quoi? Et nous sommes de cette lignée de personnes qui se sont sacrifiées. Mon jeune frère a 30 ans, gloire d'Ina, mort dans l'île de peste pour le combat. Merci beaucoup. Donc, je dis qu'ils arrêtent avec des aventures. C'est la fin de l'émission. Et nous disons à maman Judith Soumina tout Luka, que tous a le cœur d'aller et nous souhaitons bonne chance à l'équipe Oezali Koya, l'équipe et au gouvernement. Toujours espérer que Borsala est l'heureux. Maman, on a l'air de l'heureux, on a l'air de l'heureux. Tout le temps prochainement. Mbappé ça, car il y a la mbongo.